Tout le monde le sait, nous célébrons le Mouloud ou la naissance du prophète Mohammed la nuit du lundi 12 décembre. Et chaque foyer s'y prépare à sa façon. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, de son côté, pense qu'il est temps de célébrer l'événement différemment. Je pense aujourd'hui qu'il est temps de passer à un autre niveau de la célébration de cette fête, passer du point de vue sentimental qui est ancré en chaque Algérien et que tout un chacun devrait garder en soi, de ce qui est devenu un patrimoine populaire, d'arriver au niveau de l'orientation et de la guidance. Dans un autre contexte, le ministre a donné les derniers chiffres concernant les personnes qui ont embrassé l'islam cette année, et il semblerait qu'il y en aurait de plus en plus. Avant 2006, le nombre des convertis à l'islam ne dépassait pas les 80. En 2007, il est passé à 120, puis progressivement, il y en a de plus en plus, 230 à ce jour. Et ce sont là les derniers chiffres que j'ai en ma possession. A noter que Mohamed Aïssa a affirmé que son département ministériel entamera les préparatifs du Hajj 2017 en janvier prochain.